Et salut à tous, c'est TitoGoFlat, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo où je vais summon à l'occasion de la mise à jour. Donc j'ai craqué, j'ai acheté quelques petits packs. Donc j'espère en tout cas que cette petite summon te plaira. Si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et c'est parti. Alors juste avant, petite promotion pour Huawei. Donc vous savez que je suis partenaire avec Huawei. Donc si vous voulez vous faire plaisir sur Summoner War et acheter un petit pack, genre le Transcendance par exemple, qui est plutôt intéressant, eh bien Huawei vous propose des petites réductions, donc jusqu'à 25% de réduction. Donc ça c'est simple, vous avez 5% de remboursé si vous achetez des packs le week-end sur les 3 premiers achats. Donc c'est valide jusqu'au 31 décembre, donc aujourd'hui. À partir de demain, il y aura une nouvelle campagne. Si vous voulez attendre la nouvelle campagne, vous pouvez également, mais ce sera une campagne similaire au niveau du cashback. Ce sera présenté autrement, mais ce sera globalement la même chose. Vous avez également une deuxième offre, la deuxième offre qui est 20% de réduction en fonction des coupons que vous allez récupérer. Voilà, donc si par exemple vous achetez un pack à 110 euros, donc le Transcendance, eh bien vous allez récupérer un petit peu plus de 120 pastèques, et ces 120 pastèques vous allez pouvoir les utiliser pour récupérer un coupon de 15 euros qui vous servira ultérieurement par exemple pour acheter vos packs quotidiens gratuitement. Un pack quotidien à 10 euros au moins les 15 euros, eh bien il vous restera 5 euros sous votre coupon et le pack quotidien sera gratuit offert. Donc des petites offres plutôt intéressantes si vous voulez faire des économies sur Summoner War et notamment à l'achat des packs. Alors comment pouvoir bénéficier de cette promotion? Eh bien c'est assez simple, il faut installer forcément sur ton téléphone Android ou sur ton émulateur Huawei App Gallery. Donc comment faire? Eh bien simplement tu vas sur ton navigateur, tu tapes Huawei App Gallery APK, tu télécharges l'APK, tu la lances, tu vas arriver dans ce menu-ci. Il te restera une petite manip à faire, c'est créer ton compte, et pour ce faire tu vas aller dans la barre des recherches, taper HMS Core, télécharger ici le petit add-on, tu le lances, tu crées ton compte, tu règles, renseignes tes infos personnelles. Une fois que c'est fait, eh bien tu peux fermer l'application, revenir sur la première et réinstaller Summoner War. Et après bah, tu lances Summoner War comme dans n'importe quel autre store et tout fonctionne, tu peux y jouer, il n'y a pas de souci. Pour trouver la campagne, c'est dans ce menu d'accueil, vous allez dans promotion, et là eh bien vous allez trouver toutes les promotions disponibles, dont celle de Summoner War qui se trouve justement ici. Voilà, et maintenant on passe de suite à la summon. Bon. Oh là là, et Asrod il m'envoie plein d'énergie comme petit prime. Mais quel boss. Merci beaucoup Asrod pour le prime tutorial. J'ai pas encore vu de nouveau mobs, si tu peux avoir drop off CP. Vas-y, on va essayer. De toute façon, on est obligé de dropper un mob. On a un transcendance. On est obligé. Petit doublon ragdoll. Va te faire foutre. Pas sympa ça. Je peux pas jouer en siège ragdoll. Ah, quoique. Et bah attends, y'a tellement d'étincelles chez moi. What the fuck. Calmez-vous. Du blond viana. Non mais pourquoi vous voulez me porter l'œil comme ça? Vous êtes pas sympa les gars. Dites plutôt Tito, chope le nouveau mob light là ou le dark là. Et comme ça on le teste ensemble, c'est cool. Du Cadiz Vaillanor. Faites pas sympa. Moi je suis là, j'essaie de vous faire plaisir. Je vous fais passer un bon moment en semaine. Et vous, vous êtes là en train de me chier dans les bottes. En train de me souhaiter le pire. Franchement. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est pas comme ça qu'on vous a éduqué, hein. J'espère. Doublon Jana pour en avoir un Swift, c'est une envieux. Non, non, non. Ça demande trop de runes. Jamais de la vie, je fais ça. À la limite, si je chope un doublon Jana et que j'ai pas envie de le dégager, j'ai envie de le garder, ce qui n'arrivera pas, je ferai une béné, parce que maintenant il y a les béné. J'en ferai une Diana en triple Némésis. La petite Diana triple Némésis. Jana triple Némésis pour counter les Wunsa, là, t'as vu? Incroyable.
La pub en pleine semaine. Ah bah je suis désolé, j'y peux rien. Ça, tu peux juste remercier Twitch. Bon, c'est vide hein, pour l'instant, ça c'est vide. On a des étincelles, mais on n'a pas ce qu'on veut. C'est-à-dire des natsaks. Oh, les étincelles, il y en a, mais bon. C'est tout. Ok les boys. Ok, nice. Oh mamacita. Ok. Ok, content, refait. C'est pour le follow. Lone French Wolf. Ok, bah la semaine est déjà worse. Hein. Et maintenant, est-ce qu'on pourrait griller autre chose là? Un petit truc en plus, c'est. Un petit truc LD là. Merci à Dragopierre pour le follow, welcome. J'espère que tu vas bien. Ok les gars. Je dois FK une minute. Je pense que mon chien est revenu de son opération. Je vais aller voir comment il va. J'arrive. J'ai rien à dire, il vient à 5h de l'après-midi, mon chien. Mais attends, mais il va s'opérer toute la journée ou quoi? Ça se passe comment? Qu'est-ce que c'est que ça? Wesh. Bon. Alors. C'est déjà mieux semaine que pour les deux viewers, c'est vrai. C'est vrai que là, bah ouais... On pouvait pas espérer mieux que d'avoir au moins un nouveau mob, quoi. C'est tout ce que je voulais, donc forcément, là, oui, je suis régalé. Hein. Ça, par contre, ça fait grave plaisir. Surtout qu'elle est forte. Elle est très forte. Je vais pouvoir aller se tester. Oh, je suis super ravi parce que j'ai fait FR il y a environ 2 jours sur mon compte. Je vais devoir réagencer tout ça. Faire ses couilles. Oh, putain. Non, je me plains pas. Pas de soucis, les potes. Il n'y a pas de problème. Je suis prêt à le faire. Je vais réagencer mon compte et il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça, Adina, c'est ça, c'est pour l'anesthésie. Je pense que c'est une anesthésie générale, de toute façon, pour les chiens. Surtout pour les petits chiens comme ça, donc... Et pour ce style d'opération. Merci pour le follow. Nebozine, ça te va bien. Quelle idée de faire FR avant la semaine? Oui, bah en fait, ça faisait déjà des mois que je devais faire FR sur mon compte et j'arrivais pas à me motiver, donc pour une fois que j'ai eu l'élan... de le commencer, je me suis dit, go le finir, tu vois. Et le FR que j'avais fait juste avant, j'avais fait des prototypes, c'était dégueulasse, j'aimais pas, et du coup, je pouvais plus jouer. En RTA. Ok, bon, je l'avais déjà. Ok. Bon, ça fera des LD en plus, hein. J'imagine. Je pense que j'ai déjà fait mes shops. Ok, bon, 2 notes 5, on est dans les stats. Nickel, je vais aller choper Adriana après avoir chopé Spazam il y a 2 jours. Envie de crever un peu. Comment ça, envie de crever un peu? Mais si tu fais du siège ou pas? Si tu fais du siège, c'est vraiment un mob super intéressant pour siège. Hein. C'est un très bon mob pour siège, donc moi, pour moi, t'es content d'avoir Shazam. Et Adriana, c'est un très bon élémentaire, hein, c'est très très fort. En arène, un petit peu en RT1, c'est un bon meuble. Moi, t'as pas, je serais content. Et merci Dodo BMX qui me lâche le petit prime également. Merci à toi, mon bro. Tu fais grave plaisir. Merci beaucoup. Merci pour le soutien, ça fait plaisir.
Ariana, ah Ariana, ah donc attends, donc t'as Ariana et Shazam, ok, donc Ariana c'est la cookie light, ouais ok, bon j'avoue qu'en termes de LD, si on compte les deux LD ensemble, t'as pas de chat, t'as pas tapé dans les deux meilleurs LD quoi, mais t'as quand même eu deux Natsak LD frérot, t'avais combien d'invocations, genre au final c'est ça qu'il faut dire, si en 10 vélins t'as eu deux Natsak LD, t'es content quand même non, tu peux pas te plaindre, t'es pas là en mode putain fais chier, j'ai eu deux Natsak LD en 10 vélins et ils sont nuls. Ok, bon j'avais déjà. Ok. Ah t'as eu en 3v1. En 3v1 t'as eu 2 Natsak LD. Bah alors tu peux pas te plaindre. Il est cheaté Mephisto. Ah Mnemo. Ouais. Bah les raids sont bons. Ok, bon bah du coup nous aussi de notre côté on est plutôt vernis, on a pas mal de Nat 5, on est en train de chier sur nos viewers pour avoir de meilleurs stats derrière sur notre compte. Mais c'est deux dupes, hein. Du coup c'est deux dupes. Du coup bah ça fera juste plus de LD, hein. Voilà. Je pense pas que j'ai envie de prendre des béné. En vrai je devrais prendre des béné, hein. Je suis un troller de pas prendre des béné. Je suis vraiment un giga troller. Je devrais prendre des béné quand même. En vrai de vrai, premier degré, je devrais en prendre. Toi, tu sais mon TV la free to play là? Oui, bah oui, oui, oui. C'est donné par Comtuos, merci à eux. T'as mon créa? Ah, il manque Zibala. Zibula. Les BD, c'est surcoté. Un peu aussi, ouais, c'est vrai. En fait, c'est RNG, mais ça peut vraiment te sauver sur certaines semaines, quoi. Mais bon, moi, c'est Natsak LD qui m'intéresse, c'est vrai. Le content. Oui, vous inquiétez pas, on va prendre des LD. Allez, on est reparti. Un pour le trans. Bah du coup ça n'a pas de sens si tu prends que pour le transcendance, tu vois la béné. Autant le prendre pour les Vela Mystique aussi. Ça change rien du tout. Elle est bien Bethany. Ouais Bethany elle est bien. Un bon map pour siège. Excellent. Même pour arène en offense c'est pas mal. Il y a beaucoup de dégâts. C'est probablement des meilleurs knockers monoïdes Bethany. Je pense que c'est même le meilleur hein. En termes de dégâts c'est... Ça envoie des taquets hein. Les joue un peu là sur Radar quand RTA. Ouais. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Et en vrai, c'est... En fait, je pense que c'est sous-côté, difficile à runer. Mais quand tu remplis les conditions artefact et à bon ruinage, le mob il est vraiment pas mauvais hein, sur le coup. C'est pas un mauvais mob, je trouve. C'est un peu niche, mais franchement, c'est pas mal. J'aime bien. Je pense que si moi je le droppais là sur Radark, je le jouerais, mais j'avoue plus en mode fun, tu vois, parce que bah, j'ai déjà d'autres choses plus intéressantes à sortir, mais il y aurait des cas où ce serait quand même pas mal, quoi. Les types de TF viables avec Wadam, non. Wadam, c'est un mob exclusivement pour de l'offense en siège. Sauf. Sauf peut-être en G1, mais en G3. Et une repasse sur Alight. Ah, je sais pas trop ce qu'il fait non plus. Je me suis pas trop intéressé. Il reste un petit Vela ici, et après on a tout le reste. Allez, hein. Il est où mon Mephisto? Quoi?
Et ma puis j'ai déjà ma demoiselle, j'ai déjà lock. Oh, ok. Everything's fine. Alors, bon, on vend, j'avoue, à part avoir le nouveau mob, il n'y a rien qui m'intéresse. En feu, bah, j'aimerais beaucoup avoir le nouveau mob, forcément. Pour moi, c'est ce que j'aimerais le plus. Alors, Planana O, oh, ouais, j'ai eu la demoiselle O chez nous. Et là, on est en train de summon le reste. Et on a eu deux dupes aussi, deux dupes à côté. Ok, bon, on va faire cela. Et après, on fera ouais, on fera le transcendance. Hein. Merde, j'ai oublié de mettre les rates augmentés. Oh! Ok, aucun regret, c'est ok. Merci à Kowalski pour le follow. Welcome, welcome. Bon, le transcendance. Bon, on n'a pas de béné, c'est pas grave. Hey, good luck. Eh, hey, ça plaît. Le nouveau mob, please. Ah, dupe. Dupe, dupe, dupe. La chance. Level 1 SWC, on peut l'invoquer aussi. C'est quoi? Go. Pas de chance. On pourrait bien faire, on aurait dû le faire après, mais bon, c'est pas grave. Alors. Du coup, ça, on peut food. On peut food. Et ça, on peut food. Ok. Bah, je pense que je vais acheter des réaps, quand même. Faut que je achète mes réaps. Les shops ont été faits, je pense. Ouais, les shops ont été faits. Du coup, bah, ça part. Hop là. 7 LD de plus. Ok, du coup, il reste 9 tous attributs et on a 33 LD. Please! Please! Dupe. Dupe. Bon bah dupe. J'ai cru que celle light. Bah j'ai cru que celle light aussi moi. C'est pour ça que j'ai bugué. J'ai cru que celle light. Je l'ai bugué de zinzin aussi putain. J'ai chié gros. J'ai chié. C'est pour ça que j'ai bugué. C'est pas en mode celle dupe. J'ai cru que celle light. Et dupe aussi. Oh, il y a trop de dupe, arrêtez. Holy shit. Et oh merde. Ouais, on a eu Weshden les gars, nickel. Ouais. Bon bah ok, on peut aller foutre les deux dupes. Hein. Oh, franchement, ça fait mal au cœur. Bon, elle, on a rien à faire. Ah, ça, je vous jure, ça fait mal de le foutre. Hein. Alors, on jouera jamais deux, hein, mais putain. Casse les couilles quand même. Ah, du coup, ça fait plus de LD. Ok les gars, on a presque 40 LD, bon, est-ce qu'on peut choper quelque chose? Allez, je veux juste des étincelles là, s'il te plaît. Donne-moi un truc. Imagine. Dernière LD. OTOE par Rosette, Opticadiz. Oh le, ça fait quand même quelques mois là, non? Bro.
Ok, et ta selle? C'est pas Anne, ça, frérot. C'est pas Anne, ça, mon petit frérot. Bon, après, apparemment, pour siège, c'est ok. Mais c'est pas Anne. Bon, j'avais déjà, pour ceux qui demandent. Ok, on va bientôt arriver à la moitié. Bon, au niveau des étincelles, on est dans les rates, hein. Ok, étincelles, à nouveau. Peut-être, hein. Michael, on va parler tout à l'heure pour jouer avec mon gru. Comme tu as m'entendu, merci à vous. Grave plaisir, petit Michael, ça fait super plaisir. On va pouvoir jouer avec gru. Nice. On l'avait déjà, évidemment. New, non, j'avais déjà. En vrai, en 4 notes, c'est Martina et Tableau que j'aimerais. Martina, Tableau, Wadam, je les ai pas. Martina, Tableau, Wadam, je vois pas qui d'autre il me manquerait de bien. Ok, reste 16 Vela, alors peut-être une étincelle. De toute façon, il suffit que d'une. Une étincelle et boum. Ok, une étincelle. Oh frérot, tu m'envoies tous les pires là. Oh non, j'avais déjà aussi. Oh, s'il te plaît, fais un effort mon bro. Bon, on a des étincelles, c'est vrai. On a des étincelles. Mais on n'a pas de qualité derrière. Déborah, tu as... Non, et Déborah aussi, j'avoue, Déborah, j'ai pas. J'avoue, Déborah. Bon, ça pue un peu là quand même. Bon, la dernière fois que j'ai dit que ça puait... Genre, dernier vélin, étincelle, boum, les mains. Je pense que c'était ouais, la dernière fois. Dinguerie. Ok, c'est bon, ok. On va se contenter du coup du nouveau mob. On a eu deux fois du coup, bon. Ok, ça va. On a quand même eu Irène. La petite Irène qui est un mob qui est sympa pour RTA. Ok, c'est mieux que rien. C'est sûr qu'on aurait voulu avoir un Atsak LD, mais bon, on peut pas tous avoir la chatte de chez nous. Voilà, c'est pas... C'est comme ça, c'est la vie. Oh, c'est bien, content. On va la jouer RTA, ASAP. Ouais, les petits potes, on arrive à la fin de cette vidéo. Du coup, voilà, on a droppé la petite Irène. Ça fait grave plaisir, je suis assez content d'avoir droppé. Est-ce qu'on va la jouer RTA ou pas? En vrai, on va la tester, c'est sûr. Mais à mon avis, on s'est peut-être un petit peu trop emballé. Si on regarde la vidéo sur mon avis sur ces mobs-là, ici, après coup, je me rends un peu compte que, en fait, si le skill 3 résiste, eh bien, on se retrouve avec un mob un petit peu nul, en fait. On se retrouve carrément en 3v4, donc je sais pas trop si on va pouvoir le jouer en RTA au final, mais je pense qu'en siège, en défense notamment, ça peut, ou en offense, ça peut être intéressant à voir avec qui on pourrait faire comboter ce mob là, peut-être le rendre plus safe en jouant en Ganymède avec pour si on rate au cas où, je sais pas, à voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu et ciao ciao les potes, les titos.